Méditation du 6 juin, une intégrité à l'épreuve du feu. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. Job 1, verset 8. L'intégrité consiste à faire ce qui est droit, même si personne ne le remarque. Elle est synonyme de droiture et d'honnêteté. L'intégrité de Job était telle qu'il a osé demander à Dieu de le peser sur la balance de la justice. La raison principale de l'épreuve aussi sévère de cet homme intègre était l'envie qu'une telle intégrité suscitait chez l'ennemi des âmes. L'amour d'autrui, principe de base du royaume de Dieu, est détesté de Satan. Il en refuse l'existence. Dès le début de sa lutte contre Dieu, il a cherché à prouver que les mobiles de Dieu étaient égoïstes et il procède de la même façon avec tous ceux qui servent Dieu. L'œuvre du Christ et de tous ceux qui portent son nom est de démontrer la fausseté des revendications de Satan. La vie de cet homme au sujet duquel Satan entra en lutte est tôt placée dans l'histoire du monde. De Job, le patriarche d'Uz, celui qui sonde les cœurs, rendait ainsi témoignage. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Job 1, verset 8. Voilà pourquoi l'ennemi des âmes s'est attaqué à trois aspects de la vie de Job. Son intégrité physique, sa maison, en référence à sa famille, et ses biens, voir Job 1, verset 10. Et à cette perte s'est ajoutée l'accusation de ses soi-disant amis et l'abandon de sa femme. Son intégrité a été mise à rude épreuve, mais il était confiant. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job 23, le verset 10 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Malgré les circonstances extrêmes, Job est resté intègre. Même sa femme a reconnu « Tu demeures ferme dans ton intégrité ». Job 2, le verset 9. Job était conscient de l'attaque contre sa droiture. C'est pourquoi il a déclaré « Jusqu'à ce que j'expire, je ne renoncerai pas à mon intégrité ». Job 27, le verset 5. Que Dieu me pèse dans des balances justes et qu'il reconnaisse mon intégrité. Job 31, le verset 6. Un chrétien peut être critiqué et éprouvé, mais son intégrité infaillible en sort intacte. Satan sait très bien que la vie d'un homme intègre a une grande puissance pour le bien et il s'efforce de nous empêcher de mener une vie droite et honnête. Priez pour que l'intégrité soit telle que même le malheur ne la détruise pas. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.